Bonsoir à tous, nous sommes le jeudi 26 novembre, bienvenue dans la sixième émission Corbeil-Essonne en direct. Comme chaque semaine, nous nous trouvons en présence de Bruno Piriou, maire de Corbeil-Essonne, bonsoir. Nous sommes également en présence de Monia Aïssa, vous êtes déléguée à l'égalité homme-femme et à la lutte contre les violences faites aux femmes, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes également en présence de Fadila Chourfi, vous êtes maire adjointe aux solidarités et à l'action sociale, bonsoir. Comme chaque semaine, je vous propose que l'on visionne une enquête. Nous avons été à la rencontre par le biais d'Internet de Corbeil-Essonnois. On leur a demandé comment se passait le confinement. On leur a posé quelques questions. Je vous propose qu'on regarde tout de suite. Je vis tranquillement chez moi. Je fais mes courses comme j'en ai envie. J'ai une maison qui est grande. C'est la situation la plus idéale pour vivre un confinement, quel qu'il soit. J'imagine bien que d'avoir deux enfants en bas âge, d'être un couple dans un appartement de 60 mètres carrés, dans un HLM, ça va poser d'autres difficultés, c'est sûr. La liberté des personnes, eh ben, elle a été volée, elle a été kidnappée. Dès qu'on fait un pas, on se ramasse déjà des amendes. Et ceux-là qui n'ont pas les masques, ceux-là qui n'ont pas les papiers, ils les arrêtent tout de suite. C'est pas une vie pour eux. Ils ont le droit de prendre un peu l'air. Les mesures qui sont prises, elles sont à la fois infantilisantes et déresponsabilisantes. Quand je vais faire mes courses à Intermarché ou quand je vais au marché, je m'aperçois que les gens sont très, très disciplinés. Quand on veut être un grand pays, il faut faire confiance aux gens. Tous les jours, je voyais mon mari. Donc, du coup, avec les enfants, on a créé un lien. Il m'a aidé des tâches ménagères. Il faisait même de la cuisine. Mais par rapport aux amis, je vous dis, ce n'était pas facile pour eux. Hein, parce que retrouver quatre enfants dans un appartement, impossible de sortir. Ils étaient étouffés, en fait. Il y a même violence conjugale aussi que j'ai attendue. Hein. Il y a beaucoup de femmes battues dans ce confinement. Pour ces femmes-là qui sont peut-être battues ou qui sont... pas forcément battus, mais même il y a des hommes qui sont violents verbalement, qui doivent être très très difficiles à vivre. Il faudrait quand même qu'elles puissent avoir la possibilité de vivre leur confinement ailleurs que chez elles, par rapport au nombre de places, par rapport au nombre de personnes qui en auraient besoin. Je pense qu'effectivement, c'est pas assez. La place des femmes n'est pas suffisante, surtout pendant le confinement. Il faudrait plutôt un conseil de concertation plutôt qu'un conseil scientifique, parce qu'effectivement, la place des psychologues et la place du sociologue, elle permettrait justement de prendre davantage en cause la position des femmes. Il y a des femmes qui n'ont pas d'argent aussi pour pouvoir vivre en autonomie, qui dépendent de leur mari, et le mari, se croyant supérieur, va les taper en disant « tu sais, je te ramène l'argent, donc tu subis ce que j'ai à te faire subir ». Mais la pauvre dame, elle ne peut rien faire puisque financièrement, elle ne peut pas s'assumer. Il faut qu'elle puisse savoir à qui elles doivent s'adresser aussi. Et qu'elles aient le courage de le faire, qu'elles soient épaulées pour le faire. Et de nos jours, on n'est pas épaulées du tout. Alors, je vous propose, puisque nous sommes quatre sur le plateau et à distance raisonnable, qu'on enlève les masques, que ce soit plus pratique pour tout le monde. On nous voit mieux à présent. Parfait. Ensuite... bonsoir à ceux qui nous rejoignent sur le chat. N'hésitez surtout pas à commenter, à poser des questions, à intervenir, à faire des remarques. Beaucoup de monde déjà nous disent bonsoir. Voilà, on voit que vous êtes présents sur le chat. Je me tourne déjà vers vous, Fadila. Donc, je le rappelle, hein, vous êtes maire adjointe aux solidarités à l'action sociale, pour ceux qui nous regardent. Je vais vous poser un peu la même question qu'au Corbeil-Essonnois à qui on a posé la question. Comment ça va ? Comment je vis le confinement, en fait, c'est ça? Exactement. Écoutez, ça va plutôt bien. Je pense que, voilà, on peut dire qu'on est un peu privilégié par rapport voilà, aux témoignages qu'on a entendus. Donc, je le vis plutôt bien, mais je pense que je vois que la situation est quand même compliquée pour beaucoup de nos concitoyens et concitoyennes. Très bien. Monia, je vais vous poser la même question. Alors, personnellement, je le vis cette fois-ci assez difficilement parce que je me sens éloignée de mes enfants. J'en ai un qui est parti à Besançon, alors c'est là où j'ai senti que c'était difficile. Mais c'est vrai que je suis aussi un petit peu privilégiée. Je suis en pavillon,
Alors j'ai l'espace. Mais je pense à toutes ces femmes. Et par rapport au premier confinement ? Au premier confinement, eh ben, j'étais très courageuse parce que je me suis pas confinée une seule journée. J'ai fait de la distribution alimentaire en tant que présidente associative. Et j'avais beaucoup plus, même aujourd'hui, je me sens très bien et j'ai beaucoup de courage. Mais au premier confinement, ça a été beaucoup plus actif. Mmh. Voilà. Bruno Piriou, je ne vous repose pas la question, on vous la pose déjà chaque semaine. J'en profite, on nous dit sur le chat, merci Monsieur le maire, grâce à la dernière vidéo, on m'a contacté pour un entretien pour aider à la cantine le midi, vous voyez, finalement. Vous avez un programme extrêmement chargé, vous, avec ce deuxième confinement. Oui, c'est clair qu'on a, en fait, avec mes deux collègues, je suis très content d'avoir Mounia et Fadila ce soir. Voilà, on a un début de mandat où on avait espéré beaucoup de choses avec l'été. On a été mis en place le 4 juillet, donc on a essayé, en arrivant, de permettre aux gens de respirer. Et puis très rapidement, alors que nous avions entamé un chouette tour de ville que nous reprendrons pour donner la parole aux habitants, il a fallu après faire plus tôt les réunions parce qu'il y avait le couvre-feu. Puis après, voilà, on n'a pas pu reprendre. J'annonce que, avec les mesures annoncées par le président de la République, je vais me rapprocher du préfet dès demain pour voir dans quelle mesure on peut retrouver des réunions. Tant mieux si le déconfinement commence. Mais j'insiste, moi je souhaite avoir un débat avec les autorités pour que la démocratie arrête d'être confinée. Et je ne sais pas, nous ne savons pas gérer cette ville sans pouvoir en discuter avec les habitants. Pas simplement les concerter, mais qui soient co-auteurs de tout ce que nous avons commencé à travailler. J'aurai l'occasion d'en parler au prochain conseil municipal, qui sera aussi retransmis en direct. Mais nous avons maintenant plusieurs projets avancés. Et on ne les fera pas si on ne peut pas discuter avec les habitants, s'ils ne peuvent pas être au cœur. Donc c'est ma préoccupation du moment. Moi, personnellement, je vais bien, les collègues l'ont dit, c'est-à-dire que il y a la séparation de la famille, etc. Mais nous sommes des élus tous les jours en mairie, au travail, et c'est une chance de pouvoir le faire. Donc on vit le confinement de façon un peu privilégiée malgré tout. Donc il faut, Fadila l'a dit, en avoir conscience. Voilà, après... Mon souci du moment, c'est qu'il faut que les gens puissent reparler à bonne distance, etc., pour s'occuper ensemble de leur avenir commun et du devenir de la ville. Voilà. Monia Issa, je crois que vous aviez un texte, vous vouliez nous faire passer un message ce soir. Mm-hmm. Alors, oui, effectivement, j'ai été surprise qu'à Corbeil-Essonne, on a eu 3 féminicides. Et ça, je n'avais pas conscience avant. Alors, j'en ai fait comme un petit texte, une petite, pour le lire. Et après, j'expliquerai. Féminicide à Corbeil-Essonne. J'étais accro à elle, mais je n'arrivais pas à arrêter de lui mettre des coups. Je l'aimais, mais que pour moi, moi seule. Amour fusionnel, amour torturé. C'était un 15 décembre 2015. Il a choisi de la tuer. C'était une jeune femme, une jeune fille, une amie. Elle avait toute sa vie devant elle, mais parce qu'elle a choisi autrement, il l'a tuée. Il l'a rouée de coups, piétinée, le visage après l'avoir étranglée. Nathalie avait 19 ans. Pascal pensait avoir le droit de vie ou de mort sur elle. Deuxième cas, Saïda et Pierre étaient séparés depuis 3 mois. Ils avaient 2 enfants, un de 18 mois et l'autre de 4 ans. Dans l'appartement qu'ils partageaient 3 mois plus tôt, il a planté 3 coups de couteau dans le dos, dans le sein. Tout cela devant leurs enfants. Dans cet appartement, il l'a assassiné devant leurs enfants, un samedi du mois de mars 2018. Quelle chance, troisième cas, quelle chance. Celle-ci n'est pas morte. Elle est défigurée et dans le coma. Ben, il a décidé de la jeter par la fenêtre de square où il vivait. Depuis le 4e étage, comme on jette un mouchoir par la fenêtre, il l'a jeté sans remords. Des remords, il n'en aimait pas, non plus lors de son procès.
dans lequel ils répètent « Je l'ai tué, on vivait dans un squat », comme si leur condition sociale avait une influence sur ce crime. Non, la condition sociale n'a rien à voir avec ces crimes. Non, ils touchent toutes les classes sociales. Rappelons-nous de Marie Trintignant et de la princesse Diana. Non, ce fléau n'est pas à la marge. Il touche notre société en son cœur et nous sommes tous concernés. Voilà, ça m'a énormément touchée parce que voilà, c'est dans notre ville, c'est là, dans les quartiers et dans le centre-ville. C'est un problème qui ne touche pas que le cas social, c'est un problème qui touche toutes les cas sociales. Je crois d'ailleurs, à ce sujet, vous êtes sur le point de créer une association, c'est bien ça? Tout à fait. Comme il dit si bien Bruno, monsieur le maire, Corbeil-Essonne, eh ben, il n'y a rien, il y a tout à construire. Je pense qu'une ville comme Corbeil-Essonne, on est 56 000 habitants, dont la majorité, c'est des femmes, on mérite d'avoir une association spécialement pour accompagner la femme, accompagner dans tous les sens du terme, accompagner juridiquement, accompagner sur un plan social, accompagner sur un plan médical et accompagner surtout pour l'aider à trouver un logement. D'ailleurs, on peut le rappeler, on peut même le mettre à l'écran. Il y a des numéros, hein, de point de vue national, mais également plus local. Il y a par exemple une ligne d'aide et de soutien 7 jours sur 7 pour l'Essonne. C'est, je vais le dire à l'oral parce que je crois qu'il n'est pas écrit sur cette affiche, mais 06 30 45 04 46, 06 30 45 04 46, on le rappellera dans le chat, pour tous ceux voilà, qui auraient besoin d'aide et de soutien. Vous avez beaucoup d'informations sur www.violenceaupluriel.essonne.fr et les numéros qui s'affichaient, le 3919 notamment. On a vu, hein, en 2019, 173 victimes ont été recensées et un peu plus tôt, en 2018, le Haut Conseil à l'égalité entre les hommes et les femmes publie 73% des femmes déclarent être victimes. Alors, à ce sujet, nous avons une auditrice qui nous a envoyé une vidéo, pardon, une vidéo qui est présente sur YouTube. On va la regarder tout de suite. J'avais tout juste 22 ans. J'ai vu cet homme, brun, les cheveux bouclés, souriant, agréable, poétique et comique à la fois. Le grand coup de foudre m'est tombé dessus, comme une belle romance. Il m'emmenait dans de beaux endroits, des week-ends à la mer, dans des parcs magnifiques. Tout est allé très vite, trop vite, je crois. Un jour, ma première gifle. Parce qu'il était jaloux, en me disant que je n'étais qu'une pute, une salope, une garce. Un peu sonnée et surprise, je me justifiais, alors que je n'avais rien fait. Je me suis dit qu'il devait trop m'aimer, et j'ai pardonné. Ce jour-là, je ne peux pas l'oublier. Parce que j'aurais dû m'enfuir. Parce que j'aurais dû m'enfuir. Notre premier enfant est arrivé. Et là, ce n'était plus une gifle, mais des coups. Régulièrement, il se mettait à me frapper sans raison. Je le revois encore prendre une bouteille et me la casser sur la tête, me traînant par les cheveux jusqu'à la chambre pour que personne ne m'entende. Il m'étranglait jusqu'à ce que je tombe au sol, me séquestrant plusieurs heures avec une hache à la main, en me disant que c'était de ma faute, que je l'avais cherché. Je le revois sortir une arme et me la mettre sur la tempe, en me disant « c'est ton dernier jour ». J'étais terrorisée. Je n'avais pas le choix que de subir cette violence. Je ne pouvais pas partir. Il était toujours en train de me menacer. « Si tu pars, je te retrouverai, où que tu ailles ». Des menaces. Toujours des menaces. Tout est confus dans ma tête. Je ne sais pas si c'est de l'amour ou de la peur. C'est difficile à expliquer. Il me faisait culpabiliser. Il avait réussi à me faire croire que tout était de ma faute. 15 ans de violence et 3 enfants. Des idées noires, j'en ai eu. Je suis même passée plusieurs fois à l'acte. Comme des appels au secours. Mais personne, non, personne ne m'entendait. Pour moi, j'étais coupable, prisonnière, condamnée à perpétuité.
quand il s'en est pris à un de mes enfants. J'ai relevé la tête. Et là, j'étais prête à sortir de ce long tunnel. Mon premier courage a été d'affronter cette vérité. J'avais enfin pris conscience qu'il y avait un très grand danger. Mon deuxième courage, ma détermination. Je décide de préparer mon départ. J'achète une puce de téléphone à son insu. Je contacte une assistance sociale, un avocat, le 3919. Je fais une demande d'appartement. Je prépare une petite valise bien cachée avec tous mes papiers importants au cas où il se rendrait compte de quelque chose. Mais ma détermination et ma discrétion nous ont sauvés. Un an de préparation et je franchis enfin le pas de la plainte. Sans travail, sans argent, j'ai réussi. Aujourd'hui, ça fait 4 ans que nous sommes libres. Oui, libres. En quoi finalement une ville entière est concernée par cette question et comment un maire, une ville, peut accompagner des associations, des initiatives et, Bah, d'abord, voilà un message poignant. Et on pense toujours que c'est ailleurs et que c'est pas chez nous, quoi. Et comme l'a dit Mounia, il y a eu ces féminicides ces dernières années à Corbeil-Essonne. Et donc Corbeil-Essonne n'échappe pas à la règle. On parle de cela, on parlera de ça toute l'année avec Mounia. Hein. Mais je dis ça parce que hier était la journée internationale contre les violences faites aux femmes, hein, avec la publication d'une enquête, je dis, c'est bien de se renseigner, qui s'appelle Virage, violence et rapports de genre, qui montre que depuis 15 ans, dans notre société française, des situations de violence massive et durable perdurent, qu'elles touchent évidemment bien plus les femmes que les hommes. Donc c'est un vrai phénomène de société. Et quand nous étions en campagne électorale avec l'ensemble de l'équipe, on a décidé avec Mounia qu'on est une de nos élus qui, entre autres tâches, elle fait plein d'autres choses, Mounia, fasse de cette question un marqueur. Et nous souhaitons devenir une ville pilote en la matière parce que il y a rien. La violence, d'abord, aucun de nos élus et la grande majorité des gens ne supportent pas la violence. Voilà. Les êtres humains doivent pouvoir vivre en paix et en fraternité. Tout ça, c'est ça la politique. Ça demande d'agir. Et puis, il y a une violence qui nous est particulièrement insupportable, c'est celle qui est faite aux femmes, qui, les chiffres le montrent, sont beaucoup plus victimes que les hommes de violence sur elles-mêmes, et cela dans tous les milieux, la famille, l'espace public et au travail. Donc, voilà, je dis souvent, il ne s'agit pas de se plaindre, plutôt de porter plainte, c'est ce qu'a fini par faire cette femme dans le reportage. Et donc, nous voulons être une commune qui mette en commun des moyens, un discours, des liens pour que les femmes victimes de violences, on les aide à sortir du tunnel comme on vient de le voir. Donc moi je peux donner des éléments, je pense que Mounia peut-être avait prévu de donner des axes, mais je sais pas. Le travail commence. Mounia a fait un important travail depuis 5 mois maintenant que nous sommes en gestion de Corbeil-Essonne. Et donc on va créer un service, ce service n'existait pas, et c'est vrai, nous étions en colère, comment dans une ville qui a des violences comme partout, qui il y a eu des meurtres contre les femmes, eh bien c'était un impensé. Eh bien on va en faire une pensée politique et une action politique, mais peut-être je préfère que ce soit, moi j'ai les éléments, mais que ce soit Mounia qui dise, voilà, les premières pistes qu'on souhaite développer dans les mois à venir. Bien sûr, juste avant, on nous dit, ça fait plusieurs fois dans le chat, il faut penser aussi aux hommes, parce que certains hommes sont aussi victimes, ça arrive, d'autres répondent moins fréquemment, certes, en tout cas, il faut penser aussi aux hommes et aux enfants, d'ailleurs. Tout à fait. On a Noura Bellili en ligne, qui va bientôt intervenir, je vous laisse quand même intervenir, Mounia. Bien entendu, les hommes, ils sont quand même, il y a un pourcentage en moins. Il y a 73% de femmes victimes de violences conjugales et un peu 28 ou 26% d'hommes. Et ça, je pense que c'est plus qu'humain. S'il y a un homme qui vient pour se plaindre d'être victime de violences conjugales, on va s'occuper, l'accompagner comme une femme.
Ça, c'est... Mais actuellement, la politique française, internationale, c'est la violence faite aux femmes. Mmh. Voilà. On a... C'est vrai que j'ai commencé à créer un service au sein de la collectivité. Ce service sera porté par le service sécurité de Madame Serdé Christine et par Frédéric Mézabélé, qui elle-même porte et est coordinatrice responsable de la délinquance et de la radicalisation. Alors j'ai trouvé juste que ce soit ce service qui porte ce thème de la femme violentée, avec Bruno, bien entendu. Pour ça, je te remercie, Bruno, parce que tu nous donnes et tu nous fais confiance. On est en train de penser à des appartements pour les femmes victimes de violences conjugales. Bien entendu, il va y avoir cette association. Ben voilà. À ce propos, d'ici quelques minutes, nous aurons Ernestine Ronet, qui a longtemps lutté et qui a créé énormément de choses à ce sujet. Elle va intervenir en direct dès que ce sera prêt en régie. Sur les mesures, parce que bien c'est sûr. Vrai qu'il y a besoin d'appartements d'urgence. Oui. Une femme victime de violence, elle ne peut pas attendre. Et d'ailleurs, pour qu'elle porte plainte, il faut qu'elle se dise que ça sert à quelque chose et qu'elle peut être prise en charge. Parce que porter plainte et rentrer le soir dans le foyer, bah, ce n'est pas facile, évidemment. La peur, hein, y a pas, d'ailleurs, la peur existe pas que dans la violence faite aux femmes. Hein. Toutes les violences, ça marche avec la pression. Et ça, c'est insupportable de mettre les gens sous pression, de les menacer. Donc, logement, soutien psychologique après la mise à l'abri pour lutter contre la manipulation mentale des maris. Mise en œuvre forte et coordonnée de toutes les réponses d'accompagnement avec la police judiciaire. Le CCAS aussi que coordonne Fadila Chourfi. Et puis, avoir une équipe pluridisciplinaire, militante et mobilisée avec tous les acteurs dans la ville. Il faut créer, voilà, il faut que la peur change de camp. Hein. Rien ne peut justifier la violence, rien ne peut justifier les violences faites aux femmes. Je rajoute quelque chose parce que dans le reportage précédent des témoignages, nous avions mis, pendant le premier confinement, avec nos associations militantes, des numéros de téléphone pour les besoins de toutes sortes. Le premier appel que j'ai eu comme militant, c'était une femme victime de violences pendant le confinement. Et évidemment, c'est encore plus insupportable. Et c'est ça que nous disaient tout à l'heure les corbeillers saunois et les corbeillers saunoises. C'est que le confinement a révélé aussi ce sujet avec des femmes qui étaient confinées avec leur mari violent ou leur compagnon violent, avec les enfants. Et ça, c'est insupportable. Donc, nous avons encore plus pris conscience de ce fléau. Et donc, c'est pas un sujet drôle, mais c'est pas un sujet drôle parce que la violence, c'est pas drôle. Et donc, il faut que la peur change de camp et que c'est un fléau qu'il faudra éradiquer. Voilà. On est dans une ville, moi j'ai envie de dire, une ville qui doit devenir zéro violence dans tous les domaines, mais celle-là en particulier, c'est pour ça qu'on a une élue particulièrement en charge de ce sujet, pas toute seule, avec Fadila Chourfi et plein d'autres élus, hommes et femmes, qui, grâce à ton travail, prennent à bras-le-corps cette question. Et donc, voilà, on a envie de dire, mesdames, restez pas toutes seules, il y a des numéros de téléphone, il y a la mairie, vous pouvez venir, vous serez accueillies sur ce sujet. Voilà. Merci. Si je ne me trompe pas, Ernestine Ronet est actuellement en ligne. Bonsoir. Bonjour. Ernestine Ronet, vous Bonsoir. Nous entendez ? Très bien, je vous entends depuis le début avec un très grand intérêt, je dois avouer. Je dois dire que je trouve très émouvant non seulement les témoignages, mais l'engagement que j'entends ici de la part des élus. Je dis c'est émouvant parce que effectivement, les violences, comme vous le dites très justement, c'est insupportable. Et d'entendre des personnes engagées, tout nouvellement élues, finalement, ça donne de l'espoir. Et puis peut-être d'abord un grand merci pour les témoignages et notamment le texte que vous avez lu, Mounia, sur les trois féminicides. Je pense que c'est toujours important d'avoir dans la tête jusqu'où le danger peut aller. Et
dans ce que vous avez lu, c'est vraiment important parce qu'il y a à la fois la violence physique, mais aussi, bien sûr, la violence psychologique et le fait que les enfants, quand même, souffrent. Alors, dans l'engagement que j'entends... Excusez-moi. Pardon. Oui. Juste pour que tout le monde comprenne bien qui vous êtes, bien entendu, vous êtes pionnière hein, de la lutte des violences envers les femmes. Vous avez créé le premier observatoire qui a servi de modèle à plein d'autres ensuite, hein, l'observatoire des violences faites aux femmes de Seine-Saint-Denis. Vous avez lancé aussi le téléphone TGD, vous savez, le téléphone grave danger, et plein d'autres initiatives très, très concrètes. On se demandait, pendant le confinement, on a remis ce sujet sur la table, on en parlait tout à l'heure. Le fait qu'on en parle plus, est-ce que c'est parce que ça se dégrade? Est-ce qu'on a mieux compris l'importance? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? On a pris conscience, vous savez, que la maison pouvait être le lieu de tous les dangers. Et normalement, si j'ose dire, je suis agressée dans la rue, je rentre à la maison et je me rassure. Je raconte chez moi ce qui m'est arrivé, je me rassure. Le lieu de la sécurité pour se rassurer, c'est la maison. Et pendant le confinement, on s'est rendu compte que pour certaines personnes, pour des femmes, des enfants, eh bien, la maison était le lieu de tous les dangers. Et je pense que c'est quelque chose qu'on n'avait pas toujours forcément pensé avec une telle intensité. Alors, il y a davantage de plaintes. De mon point de vue, il y a eu sûrement des violences et même des violences graves. Mais surtout, ce qui a été formidable, je ne peux pas le dire autrement, c'est les campagnes de communication sur les numéros, comme vous l'avez affiché tout à l'heure, sur l'écran, qui permettent que les femmes sachent à qui s'adresser. Souvent, elles ne savent même pas à qui s'adresser. Donc là, elles savent à qui s'adresser. Le 17, si je suis en danger. Le 114, si je ne peux pas parler, je vais dans les toilettes, je m'enferme et je fais un SMS. Et puis, le 39-19, si j'ai besoin d'avoir des informations. Donc, en fait, elles savaient... Quelqu'un nous dit que... Pardon, je vous coupe. Quelqu'un nous dit dans le chat, d'ailleurs, j'aurais aimé avoir toutes ces aides quand cela m'est arrivé. C'en est bien la preuve, en effet, qu'on ne sait pas à qui s'adresser. Quand, en effet, le foyer, c'est là où tout se passe. Est-ce que... on voit que les chiffres montent. On voit que c'est en pente totalement... Peut-être qu'on peut dire sur les chiffres qui montent deux secondes, c'est que, comme elles savent mieux à qui s'adresser, du coup, et que la police intervient, parce que quand même, il y a eu des directives précises du ministère de l'Intérieur qui ont fait qu'il y a eu davantage d'interventions, 40% davantage de plus d'interventions au moment du premier confinement, c'est pas rien. Et puis, la justice suit un peu plus. Donc, on est dans quelque chose où on est un peu mieux entendu quand on est une femme victime, c'est quand même important à souligner. Donc ça donne du courage, parce que l'objectif, c'est qu'on se donne du courage et qu'on se dise qu'ensemble, on va y arriver. Alors j'ai une proposition à vous faire, mesdames les élus et monsieur le maire, si vous le souhaitez. Vous avez parlé d'une coordination des différents services, tout ça. Alors on pourrait créer à Corbeil-Essonne, et je veux bien vous aider, je m'y engage si vous le souhaitez, un observatoire local de violences faites aux femmes qui se rattacherait au niveau national. On est en train d'en créer à Grenoble, d'en créer un à Marseille. Donc, il y en a un qui vient de se créer à Fontenay-sous-Bois. On en a 22, plus tout ce qui est à Bordeaux, plus tout ce qui est en train de se créer. On peut se dire que ça vous rattacherait à quelque chose de national. Et puis, d'un point de vue concret, ça permet que les services de l'État implantés sur votre ville, les services de la ville, les associations fassent ensemble communauté, si je peux dire, et donc se coordonnent pour être mieux à l'écoute des femmes victimes de violences. Qu'en dites-vous ? Nous acceptons vos propositions avec plaisir, bien volontiers. Oui, et puis les villes que vous avez citées sont souriantes pour nous. C'est des villes qui montrent que voilà, il y a des prises de conscience qui sont faites dans des villes importantes. Je crois qu'on peut dire en direct, Mounia, Fadila, qu'on prend l'engagement de créer cet observatoire dans les mois qui viennent. Et Ernestine, moi j'aime bien accepter l'aide, c'est-à-dire qu'on sent à travers votre engagement une expertise, un engagement humaniste. Et donc on prend la balle au bon. Ernestine, on va vous inviter très prochainement, d'accord Mounia, d'accord Fadila. On vous invite à venir à Corbeil-Essonne nous aider à monter cet observatoire. C'est une bonne nouvelle ce soir. Bien, alors. Avec plaisir.
C'est l'épisode 1 et on attend impatiemment l'épisode 2. Alors, très bien. Merci beaucoup de votre présence, Madame René. Et donc, à très bientôt. À très bientôt à Corbeil-Essonne. Au plaisir de vous retrouver. Merci à vous. Merci. Bravo pour votre combat. Alors, en attendant de pouvoir recevoir la réalisatrice de ce court-métrage qu'on a pu voir, on a beaucoup d'encouragements sur le chat, ça s'anime beaucoup, c'est quelques témoignages, il y a beaucoup de merci. On applaudit aussi Ernestine, quelle grande dame. Voilà, Corbeil-Essonne, capitale de la France, voilà, c'est un observatoire et réagir, des actions concrètes sur le terrain. Voilà, j'essaye de les dire très très vite parce qu'il y en a beaucoup. Voilà, donc ça c'est en effet en attendant. D'ailleurs, en attendant, Fadila, je crois que donc vous êtes comment dire, déléguée aux actions... sociales. On me dit qu'elle est prête en même temps aux actions sociales. Vous vouliez, je crois, intervenir. Vous aviez des choses à nous annoncer à ce sujet. Sur l'action sociale, oui, mais je pensais que... Bon, alors déjà, peut-être sur la question des violences faites aux femmes, je pense que c'est un point fondamental, particulièrement important, même si j'entends qu'il y a des hommes qui peuvent être violentés, mais quand même les chiffres et les statistiques montrent que ce sont essentiellement les femmes, et surtout ne pas oublier que les enfants peuvent être victimes ou direct ou par ricochet quand même de ces violences, et c'est pour ça que c'est une question importante à traiter. Voilà. Donc ensuite sur le social, bah écoutez, le Covid, la situation Covid non seulement effectivement aggrave peut-être le phénomène de violence dans la famille, mais met en difficulté nos concitoyens et concitoyennes. Corbeil-Essonne, c'est une ville où la situation sociale s'était considérablement dégradée, où on était au moins à 30% de personnes en situation compliquée, précaire, et donc où on va essayer de redresser en faisant ce qu'on peut, puisque là, pour le coup, c'est la France entière avec le Covid qui est touchée. Hein. Il y a à peu près 10 millions de personnes quand même qui sont en situation de pauvreté en France. Hein. Donc, on va effectivement essayer de répondre et de faire, en tout cas, voilà, on n'aura pas de réponse miracle, mais on va essayer de faire une ville un peu plus solidaire, on va dire, et de faire de ces questions... Il y en a plusieurs, hein, questions sociales, des priorités, contrairement à l'ancienne équipe municipale. Voilà, je ne sais pas ce que je peux dire. Très bien, non, non. Voilà. Très bien. On a Nora Bellili, je crois, en ligne. Donc, on vient de voir Libre, qui est le titre du court-métrage qu'on a pu voir. Bonsoir, Nora. Vous aviez un message à nous faire passer, je crois. Bonsoir. Oui, tout à fait. Bah, déjà, je suis... Bah, bonsoir à toutes. Déjà, je suis vraiment ravie que Ernestine René propose un observatoire dans le 91. Déjà, dans le 91, je trouve ça énorme. Donc, j'espère que les choses vont se mettre en place. Et c'est vrai que le court-métrage que je vous ai présenté ce soir, donc ça représente 15 ans de ma vie. Donc, le court-métrage, voilà, je suis l'auteur de ce court-métrage qui a été réalisé par Pauline Garraud. Et c'est vrai qu'on a voulu faire passer ce court-métrage à travers la danse, justement pour ne pas montrer toutes les ecchymoses que les femmes ont quand elles se retrouvent à l'unité médico-judiciaire ou autre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'en profite de ce petit direct pour passer un appel à tous les maires de France en leur demandant d'ouvrir vraiment un lieu d'accueil en mairie, d'information, d'écoute et d'orientation, mais vraiment dans chaque mairie et plus particulièrement dans le service éducation. Enfance éducation. Parce qu'une femme, elle aura plus de facilité à se présenter dans ce service-là à l'insu de son mari. Et je pense que ça, c'est vraiment très important de le faire. D'avoir au moins voilà, toutes les associations à disposition. Aujourd'hui, je pense que les policiers, les gendarmes, les hôpitaux sont mieux formés à recueillir les témoignages de ces femmes sans les juger. Et je pense que c'est vraiment important. Et aujourd'hui, je suis là vraiment pour dire à ces femmes-là que même sans travail, même sans argent, on peut s'en sortir. Je suis là, 8 ans après, et aujourd'hui, je suis là.
On parlait beaucoup du foyer et les associations d'ailleurs l'expliquent. Leur première difficulté, c'est de trouver un logement. C'est vraiment ça le cœur du sujet quelque part, pour trouver une solution tout du moins. Vous, est-ce que ça a été ça un peu l'élément déclencheur quelque part? Vous le dites dans la vidéo, c'est d'avoir eu un téléphone, d'avoir eu un petit peu accès à l'indépendance. Mais est-ce que trouver le logement a été la clé ou comment ça? Alors oui, moi, ça a été très compliqué parce que je frappais à toutes les portes et au final, on me disait, bah non, vous travaillez pas, madame. Et c'est vrai que, excusez-moi du terme, j'ai eu le culot d'écrire au président de la République sous le mandat de Hollande, de monsieur Hollande. Et de là, on m'a apporté des réponses. Et de là, on m'a débloqué un appartement côté préfecture. Et de là, j'ai réussi à m'en sortir. Et c'est vrai que sans cet appartement-là, c'est vrai qu'on a les aides de la CAF. On a tout à côté, donc on a l'APL, on a quand on a des enfants à charge, on a l'allocation familiale, et rien qu'avec ces aides-là, on peut payer notre loyer. Et ça, je pense que les administrations n'arrivent pas à l'entendre. Et c'est vrai qu'une fois qu'on a l'appartement, on avance comme on peut, mais on avance. Bien. Merci beaucoup, Noura, pour ce témoignage. Merci d'être intervenu en direct ce soir. Merci à vous. Merci à vous, surtout. Merci, Mounia. Merci beaucoup. Au plaisir. Bien. On parlait du logement. Alors, c'est vrai pour tout un tas de personnes, finalement, pour les femmes en difficulté, pour les familles, pour plein de gens. Vous en parliez il y a peu, Fadila, la pauvreté grandit. On a été dans un CHRS, c'est un centre d'hébergement, de réinsertion sociale. Il se trouve à Corbeil, c'est la Croix-Rouge qui l'a pris en charge. Je vous propose qu'on regarde tout de suite les images. C'est un centre d'hébergement et de réinsertion sociale qui accueille des familles, donc tout type de ménage, parents isolés, femmes avec enfants, hommes isolés, femmes isolées. Par rapport à cette crise sanitaire que nous vivons, on a dû mettre un certain nombre de dispositifs. À l'entrée, on a du gel hydroalcoolique, il y a des sens de circulation qui se sont mis en place au sein de l'établissement, on a le port de masques obligatoire et on a dû réorganiser un peu notre fonctionnement et éviter les croisements des uns et des autres pour qu'on minimise le risque de contamination. Et on a mis en place des dispositions concernant le repas. On peut aller voir si vous le souhaitez. Les personnes viennent entre midi et 13h, donc les personnes descendent, se rendent sur le réfectoire et remonteront ensuite dans leur chambre pour éviter d'avoir une présence trop importante de personnes sur un temps du repas. Bon bah voilà, ils n'ont pas une vie en commun où ils partagent quand même des temps avec d'autres personnes. Donc on est très proche des personnes que l'on accueille pour éviter ce risque de sentiment d'être enfermé. En fait, le premier confinement, il a été violent pour tout le monde, avec beaucoup d'inquiétude, la peur de cette maladie, l'enfermement. Le deuxième confinement, ils le vivent vraiment beaucoup plus facilement parce qu'on a passé une étape qui était quand même très complexe. Et ils ont été exemplaires, je trouve, et on les a d'ailleurs remerciés. Excuse-moi. Allez-y, madame. Moi, je peinte. Mais non, allez manger. Elle veut bien, madame Rodriguez? Oui. Nous avons quatre maisonnettes comme suit, avec un petit séjour, la cuisine là, quatre chambres et une salle de bain. Ma motivation est vraiment d'être au plus proche des personnes qui ont des besoins de tout ordre, d'écoute, d'accompagnement, de soutien au quotidien. On travaille en lien avec les bénévoles de la Croix-Rouge française où nous avons en fait des unités locales. D'ailleurs, il y en a une sur Corbeil. Le bénévolat, il est très important pour pouvoir travailler ensemble et puis être encore plus fort pour faire face à toutes ces difficultés. Fadila Chourfi, comment se portent les solidarités entre habitants pendant ce confinement? Comment se portent les solidarités? Ben, écoutez, on a pu voir, puisqu'on a été amené, compte tenu de la situation, à faire proposer donc des colis alimentaires. Et fort heureusement, on a eu l'aide de l'ensemble des associations et on a vu que voilà, il y avait du lien, ça se mobilisait. Et c'est ça l'essentiel, je pense. Dans le contexte actuel, c'est d'essayer de faire que les gens soient solidaires entre eux, que nous on joue un rôle et qu'il puisse y avoir du lien, et parce que je pense que sinon on ne sortira pas de ces difficultés. Il y a beaucoup de volontariat, de bénévoles qui participent à ces solidarités.
Alors en fait, là, sur les distributions, on a mobilisé beaucoup les associations, beaucoup le personnel d'ailleurs qui a joué le jeu, le personnel communal que je dois remercier. Il y a effectivement des bénévoles qui ont, voilà, qui se sont portés volontaires. Après, j'ai pas de chiffres particuliers à vous communiquer, mais en tout cas, on a vu que c'était un bel élan de solidarité qui était quand même nécessaire dans cette période un peu tendue. Je vais dire un petit mot là-dessus, peut-être, parce que justement, avec Fadila, nous avons reçu en début de semaine, et c'était vraiment une chouette réunion, hein, on a reçu ensemble à côté. Ils étaient deux par association, quatre très belles associations corbeil-essonnoises, le Secours catholique, le Secours populaire, la Croix-Rouge et les Restaurants du Cœur. Et je souhaite les saluer parce que nous démenons à la municipalité, mais il y a des associations qui ne nous ont pas attendus. Et qui depuis maintenant des décennies sont aux côtés des plus démunis toute l'année. Et donc je tiens à les saluer. Avec Fadila, notre état d'esprit, ce n'est pas de remplacer ceux qui font, mais de venir en accompagnement. Et d'ailleurs, je ne détaille pas là, mais nous allons renforcer notre aide auprès de ces quatre associations qui font de la solidarité leur objectif premier. On va renforcer notre aide. Et puis, il y a des associations de quartier. Mounia est une des militantes, mais plein d'autres qu'on a permis de mettre en réseau. Et qui, on l'a déjà dit, donc nous aide à la distribution de colis avec de l'argent municipal engagé. Et là, pour le coup, quelques chiffres. Hein. Depuis le début, c'est 1892 colis qui ont été distribués pour 7703 personnes, 3472 adultes et 4231 enfants. C'est ce que dit Fadila, c'est que 30% de pauvres dans notre ville. Et nous, on a un a priori, un parti pris politique. C'est que notre municipalité, parce que je vois les commentaires parfois sur le chat ou même les tribunes de la minorité municipale qui disent, voilà, est-ce qu'on ne fait pas du clientélisme, de la charité en aidant les plus pauvres? Moi, je dis, si c'était drôle d'être pauvre, hein, on chercherait tous à être pauvres. Si c'était drôle d'avoir faim, on chercherait tous à avoir faim. Hein. Et donc, oui, il y a des gens qui ne prennent pas le petit déjeuner qu'il faut, le déjeuner qu'il faut et le dîner qu'il faut. Et donc, c'est une question politique majeure qui touche à des responsabilités qui dépassent le cadre de la commune. Hein. Nous sommes tous les trois des militants de la meilleure redistribution des richesses, des militants pour créer des emplois, des militants pour l'augmentation des revenus, etc. En attendant, nous pensons qu'il est de notre responsabilité de faire en sorte, eh bien voilà, de la même façon qu'on ne veut pas de violence faite aux femmes dans notre ville, on ne veut pas de ville où on a faim. Et nous faisons la démonstration et qu'il y a des gens qui ont faim et que c'est un autre débat de savoir comment on les aide à sortir des difficultés sociales. Et là aussi, on a besoin de céder. Hein, c'est le marqueur de notre identité politique. C'est que la collectivité, la politique, ça sert à ça. C'est on n'est pas tous égaux dans la vie. Hein, on n'est pas tous égaux. L'égalité, ça doit être une conquête politique. Et donc, voilà, moi, je suis très, très satisfait qu'avec les élus, avec le monde associatif, je les ai cités, avec le personnel communal, je le resalue, ceux du CCAS, mais ceux d'autres services qui se sont mis en disponibilité, eh bien, en fait, on ne fait pas que donner à manger. On ne fait pas que donner du bonheur. On recrée du lien. Je vois les images quand les associations ouvrent leurs locaux ou les locaux municipaux et qu'on donne à manger. Ben là aussi, on fait reculer la honte. On n'a pas à avoir honte d'être une femme battue. On n'a pas à avoir honte d'avoir faim. Hein, c'était la chanson de Coluche. Et donc, oui, la honte doit aussi changer de côté. Moi, je le dis, s'il y a des gens qui ont faim, c'est qu'il y a des gens qui en ont trop.
Hein, s'il y a des pauvres, c'est qu'il y a des gens trop riches. Moi, je pense ça. Et donc, ça, c'est un débat politique. C'est intéressant de l'avoir. En attendant, on ne fait pas que débattre. On agit. On agit. Je suis très content que dans cette période, eh bien, on ait pu aider les gens à vivre plus dignement en mangeant à sa faim. Nous avons des débats et nous sommes d'accord avec Fadila pour réfléchir dans la durée comment on va pouvoir poursuivre ce travail, sûrement plus en lien avec le CCAS, moi je partage, avec le monde associatif. Mais enfin voilà, je ne regrette pas que c'est tout à notre honneur, je le dis, à tous ceux qui se sont mobilisés, les militants, les bénévoles, qu'on ait pu faire cette aide. Un dernier chiffre quand même, le 25 novembre, donc en fait juste hier, 436 appels téléphoniques pour avoir besoin d'aide, dont 161 pour des colis alimentaires et 9 pour aider les personnes vulnérables à pouvoir faire leurs courses. Mais qui peut se plaindre d'un tel élan de solidarité? Qui peut penser qu'il y a trop de solidarité dans notre pays, dans notre ville? En tout cas, nous, au contraire, nous sommes des militants de la solidarité. Voilà. Ce que je voulais dire pour compléter, c'est que ce qu'on essaye de faire, parce que c'est difficile, hein, cette situation, c'est difficile, et ça fait un moment que Corbeil est dans une situation d'appauvrissement, on va dire, quand même. On essaye, avec la commune, de faire travailler en partenariat et en réseau les associations, la commune, et on essaye de mobiliser les énergies. Voilà, je pense par exemple travail qui est fait auprès des SDF. Est-ce qu'on a intérêt dans une ville à laisser se multiplier les personnes à la rue? On est en période grand froid et puis je pense que c'est pas non plus forcément opportun. Donc on essaye de travailler avec les associations. Le CCAS va avec eux faire des maraudes, essayer de faire un travail pour que ces gens essayent de trouver d'abord de quoi manger, de quoi survivre, et puis ensuite éventuellement s'insérer. C'est un travail important. C'est important de mesurer aussi la solidarité qui existe dans une ville, à la manière dont elle traite, on va dire, ces populations pauvres. C'est extrêmement important. Mmh. Voilà. D'autant qu'on nous le rappelle sur le chat, malheureusement, quand ça nous arrive, oui, on a honte. On nous le rappelle. Beaucoup de choses sur le chat. On a un témoignage, on a en ligne la directrice de Voix des femmes qui lutte contre les mariages forcés. On est au lendemain de la journée internationale de la lutte contre les violences faites aux femmes. C'est l'occasion donc d'en parler. Bonsoir Madame Jama. Donc je viens de le dire, mais je le rappelle, vous êtes donc directrice de Voix des femmes, qui donc lutte contre le mariage forcé. Bonsoir. On vous voit bouger, mais on ne vous entend pas. Je pense que ça va être réglé tout de suite en régie. Vous m'entendez? Oui. Recombat sur le terrain. Je ne vous entends pas, très mal. Hein. Parlez plus fort. Est-ce que vous nous entendez là? Là, oui. Non. Là, oui. Alors, racontez-nous votre combat pour la lutte contre le mariage forcé. Oui, alors l'association, je remercie la ville de Corbeil-Essonnes de nous inviter à cette émission. L'association Voix des femmes existe depuis plus de 20 ans. Elle a pour mission exclusive de lutter contre le mariage forcé. J'ai particulièrement apprécié l'expression de Monsieur le maire, zéro violence, parce que c'est très peu utilisé pour la question des violences. Souvent, on parle de diminuer, on ne parle jamais du fait que dès lors qu'une violence est commise, une limite a été franchie. Vous savez, souvent, on dit c'est juste une petite claque. Eh bien non, c'est déjà le début de la violence. De la même manière que pour minimiser ce qui relève d'un vrai mariage forcé, certaines personnes vont dire « mais qu'est-ce qu'elle raconte cette jeune femme ?» Pas du tout, c'est un mariage arrangé. À partir du moment où la jeune femme n'est pas d'accord,
à partir du moment où son cœur ne veut pas épouser la personne qu'on lui propose, et même si elle le fait parce que elle a peur de perdre sa famille, elle veut pas couper les liens, il n'empêche qu'elle est la mieux placée pour savoir si le mariage est forcé ou pas, et c'est elle que nous devons écouter, croire et accompagner dans ses démarches au quotidien. C'est le cœur de métier de l'association Voix de Femmes, donc on accompagne les jeunes femmes et les garçons, les jeunes hommes qui sont confrontés à cette violence que d'ailleurs on attribue souvent à tort exclusivement à la tradition. Si c'était si traditionnel que ça, l'étude par exemple de la Seine-Saint-Denis de 2007 qui a quand même interviewé 2600 jeunes femmes. Cette étude a permis, en Seine-Saint-Denis, donc de montrer que 1,3% des populations que l'on pense concernées par le mariage forcé, pour ne pas citer les populations immigrées, eh bien seulement 1,3%, même si c'est déjà trop, de jeunes femmes sur cet échantillon de 2600 jeunes femmes de 18-21 ans, étaient concernées par un mariage forcé. Donc ça veut dire que il y a 98,7% des populations concernées qui ne marient pas leurs enfants de force, qui les laissent choisir leur avenir, continuer leurs études, choisir de se marier ou pas, choisir d'épouser la personne qu'elles veulent. Parce que moi, souvent, on me dit « mais tu fais un métier difficile ». Ben non, parce que je suis contente de voir que les jeunes femmes arrivent à non seulement à résister, mais à faire à avancer dans leur lutte, dans leur résistance au quotidien contre cette violence, et à pouvoir aussi imposer leur choix à leur famille. Et heureusement, contrairement à ce qu'on imagine, parce que dans les représentations, on pense que les jeunes filles sont reniées définitivement par leur famille, et ben non, en fait, puisque c'est une toute petite minorité, même s'il ne faut pas la négliger, on arrive à s'en sortir d'un mariage forcé. Et c'est important de le rappeler. Vous êtes une association nationale, vous êtes également présent en Essonne. Comment est-ce qu'on procède si on est concerné par le sujet, qu'on habite en Essonne, à Corbeil-Essonne plus précisément? Comment on procède pour pouvoir être accompagné, aidé? Alors en fait, chose importante, les trois quarts des jeunes femmes qui nous appellent est scolarisées. Donc, elles peuvent demander de l'aide à des personnes ressources précieuses dans leur établissement scolaire. Ce n'est pas un hasard si ce sont les infirmières scolaires qui nous appellent, les assistantes sociales scolaires, les professeurs et les élèves aussi. Il ne faut pas sous-estimer que des élèves appellent par solidarité, parce qu'ils trouvent que le mariage forcé est non seulement interdit par la loi, mais aussi injuste. Appellent pour protéger et pour aider leurs camarades de classe. Donc déjà, en parler à quelqu'un de confiance dans son entourage. Alors ça peut être, moi, la dernière personne que j'ai eue au téléphone aujourd'hui, c'est sa tante qui nous a appelés pour protéger donc sa nièce. Donc ça peut être aussi un adulte de confiance de la famille. Ça peut être un conseiller en mission locale qui joue un rôle important, parce que, autre bonne nouvelle, nous, deux filles sur trois, nous contactent avant le mariage forcé. Quand on a ouvert l'association il y a plus de 20 ans, on recevait des femmes qui avaient une trentaine d'années. Là, la moyenne d'âge, c'est plutôt 20 ans. Donc, ça veut dire que les femmes parlent de plus en plus tôt et sont aussi davantage écoutées. Donc, c'est pour ça que lorsque vous avez dit zéro violence, monsieur le maire, ça m'a vraiment touchée, parce que souvent, les femmes peuvent être culpabilisées de ne pas parler assez tôt, ou on leur dit « mais parlez ». Alors oui, c'est important de parler, évidemment, mais surtout, c'est important de les écouter. Et lorsqu'on dit zéro violence, ça veut dire qu'on change la peur et la honte et la responsabilité de quand. La victime n'a pas à avoir honte de parler, la victime n'est jamais responsable de ce que les agresseurs lui font, comme des violences qu'il perpétue pour l'obliger à céder à un mariage forcé. Mounia, je crois que vous aviez une intervention à faire très très court, parce qu'on arrive très vite à la fin. Rebondir, eh ben, depuis notre arrivée, on a... C'est à l'envers, mais on va l'afficher à l'écran, je crois, en régie.
En régie, voilà, on le voit. Ah oui, non, c'est parfait, c'est pas à l'envers, autant pour moi. Allez-y, Monia. Je voulais dire que depuis notre arrivée, on a réussi à empêcher deux mariages forcés. Deux mariages forcés, ça veut dire à Corbeil-Essonne, merci. À Corbeil-Essonne, ça existe aussi. Il y a un autre problème qu'il y a aussi, c'est les jeunes filles, les jeunes enfants avec l'excision. Et ça aussi, ça existe. C'est vrai que c'est un débat qu'on pourrait rester plus d'une heure à en discuter. Et effectivement, la violence, elle est diverse. Nous, on en avait fait un point, on avait trouvé 22 points de violence faites aux femmes. Merci. Je voudrais juste conclure quand même sur une note positive pour dire que moi, je trouve important et je partage que je pense quand même qu'il y a, c'est dans les mentalités que les jeunes filles, elles s'habituent quand même au discours sur l'égalité et qu'elles ont peut-être davantage le réflexe d'appeler au secours. Et ça, je trouve que c'est bien. C'est pour finir sur une note un peu positive et pour dire que voilà, on n'est pas non plus... Oui, t'as raison. Une autre note positive pour conclure, oui. Finalement, Bruno Piriou, après-demain, réouverture des commerces. Oui. Comment ça va se passer dans les prochains jours? D'abord, l'émission de la semaine dernière était dédiée au commerce, à l'artisanat, donc nous allons... je pense qu'on a été utile là où c'était compliqué. Donc on va accompagner, on incite les Corbeil-Essonnois à retrouver leur commerce de proximité. C'est pas encore gagné pour les restaurateurs et les cafés, donc on souhaite que très vite ils puissent réouvrir. Peut-être avons-nous encore, nous, la ville, un effort à faire d'ailleurs pour les accompagner, parce que on n'a pas envie qu'il y ait un seul restaurant ou bar qui ferme à Corbeil-Essonnes à cause de cette situation difficile. Comme on peut d'ailleurs la ville, on essaye de les faire travailler pour les déjeuners dont nous avons besoin, avec de la livraison. Il y a le service commerce qui reste toujours ouvert à l'hôtel de ville où vous pouvez vous rendre. Mais voilà, et encore des choses à faire dans le domaine de la culture et du spectacle. Je fais partie de ces maires qui pensent que la nourriture, c'est essentiel, lutter contre les violences, c'est essentiel. Mais justement, si on veut grandir notre civilisation vers plus d'humanité, nous n'y arriverons pas sans les arts et la culture. Et donc, je lance un appel à nos autorités pour que, si on peut, et tant mieux d'ailleurs, si dans les églises, on va pouvoir repratiquer sa foi. Et donc, moi, je suis pour qu'on puisse écouter de la musique dans l'église, l'organiste jouer dans le cadre de la messe. Mais si c'est possible, tant mieux. Eh bien, on doit pouvoir aussi réécouter des concerts, même en dehors de la foi. Et donc, il faut qu'on puisse permettre aux artistes de réégayer nos rues, nos lieux dédiés aux arts et à la culture. Et je crois qu'il y a de l'intelligence. Faisons appel à l'intelligence des gens. Hein. Une personne sur deux espacée d'un fauteuil libre et on doit pouvoir écouter un concert ou assister à une pièce de théâtre. Donc il y a encore du boulot pour qu'on déconfine les esprits dans notre pays. En tout cas, nous sommes des militants de ce parti à Corbeil-Essonnes. Voilà. Parfait, merci beaucoup, merci à tous et à toutes. Merci. Pour cette émission. Comme toutes les semaines, on se retrouve la semaine prochaine, jeudi prochain, donc à 18h30 sur le Facebook.